D'abord, je suis très surpris que le tout nouveau Premier ministre vienne avec un chronogramme de Gombo. J'ai ses amis qui l'ont saisi pour qu'il valide les Gombo de la route et de la Camé. Et Dikoum Ernest, je vous mets en défi, il a la prison du Nouvel. Parce qu'il a posé des actes, je dis il ira. Parce qu'il posait des actes qui ne croyaient pas qu'il est supporté par le SGPRC, Ngongo, qui est un petit frère. Je le lui dis et je le mets en défi. L'argent que tu attends de Moutazé ne sortira pas. Parce que tu n'as pas le certificat de gestion de ce qu'on appelle la flotte aérienne en tant que directeur général. Oui, mais alors, pourquoi le président de la République le met là? Non, mais écoutez, vous êtes terrible, on ne peut pas vous laisser dire ce que vous voulez dire. Vous êtes terrible, dites-nous que le président de la République est mauvais. Le président de la République ne peut pas mettre à la tête de la famille. Je le dis, Ernest, quelqu'un comme vous, vous savez être un bandit. Ne peut pas payer un seul. Vous êtes le seul pays au Cameroun, au monde où je le dis et j'en assure. On dit qu'un ministre est un bandit. Addis Abeba, je dis Addis Abeba, il a voulu vendre la flotte, une flotte qui a été cannulée par ses petits amis, qui est actuellement à Addis Abeba. Je le dis, Ernest Dikoum, il a